Bonjour à toutes et à tous, bonjour aux auditeurs et aux auditrices de Radio ACB et bonjour également aux élèves de 3e du Collège Le Bernica. Nous allons aujourd'hui faire une leçon sur le troisième volet sur ce chapitre des espaces productifs en France. Nous abordons aujourd'hui le thème des espaces productifs agricoles. Vous avez dû recevoir la fiche de travail. On va également utiliser la planche de documents que je vous ai proposée et le livre. Voilà, donc deuxièmement, les espaces agricoles, une question générale, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on est dans le thème des mutations, donc quelles évolutions récentes transforment les espaces agricoles? Et comme pour l'industrie, nous allons démarrer avec une étude de cas. Nous allons voir dans une première sous-partie, grand A, le cas de l'élevage intensif en Bretagne. Alors dans cette leçon, je vous propose d'avoir plusieurs clés d'étude. On va localiser cet espace, l'identifier, voir quelles sont ses spécialisations, son organisation économique. Et puis, enfin, on abordera les enjeux de cette agriculture en Bretagne. Donc, pour localiser cette région française qu'on appelle la Bretagne, vous pouvez utiliser le petit médaillon qui est en haut à droite de votre planche de documents. Vous remarquez que la Bretagne forme une sorte de région Finistère qui s'avance sur l'Atlantique et qui borde en partie au nord la Manche. On peut donc localiser cette région française en indiquant la Bretagne se trouve sur la façade atlantique de la France métropolitaine. La Bretagne se trouve sur la façade atlantique de la France métropolitaine. Pour mieux identifier cet espace productif agricole breton, nous allons prendre la planche de documents. On va lire l'introduction de la planche de documents ainsi que le document 1. Alors, cette planche s'intitule « Un espace productif agricole, l'élevage intensif en Bretagne ». Depuis les années 1960, la Bretagne, région agricole traditionnelle, a développé un modèle agricole particulier. Elle produit aujourd'hui une grande majorité des poulets et des porcs français. Comment ce modèle, fortement lié aux industries agroalimentaires, est aujourd'hui contesté par rapport aux contraintes de développement durable? C'est donc une question qu'on abordera à travers les enjeux en fin de leçon. Document numéro 1, le modèle agricole breton. C'est un texte tiré d'un livre de Magali Regezazit, la géographe, « La France en ses territoires, CEDES 2011 ». On lit ensemble ce document 1. Dans les années 1960, l'agriculture bretonne se spécialise en filières. Aviculture, porc, avec l'émergence des élevages industriels et du hors-sol, lait, viande, légumes. Alors, quelques explications. Une filière, c'est une sorte de production spécialisée. L'aviculture, c'est l'élevage de la volaille. Les porcs, on appelle ça l'élevage porcin. Et on parle également ici de hors-sol. Vous avez une note en bas du document. Hors-sol concerne les cultures sous serre, sans utilisation de terres végétales. Je continue donc la lecture. Chaque filière a sa propre logique de développement, son propre bassin de production. On le verra notamment dans le document numéro 2 sur les zones particulières de production. L'agriculture est de plus en plus intégrée à la filière industrielle. Deux points. En amont, l'industrie fournit les machines et les intrants. En aval, les industries agroalimentaires transforment les produits de l'agriculture bretonne. Alors là, on verra le document numéro 3, qui est un organigramme qui nous montre l'organisation de ce système agroalimentaire, qu'on appelle aussi agrobusiness. En ce qui concerne les intrants, vous avez la petite note qui est juste à côté, au niveau du vocabulaire. Donc on appelle intrants ensemble des produits apportés au sol et aux plantes. Donc ça peut être des engrais,
des insecticides, des pesticides, etc. Mais ça peut être aussi d'ailleurs un engrais naturel, hein, sous forme de choux ou de fumier. Je continue la lecture. Chaque filière dispose de ses propres groupements et de son réseau d'entreprises coopératives et privées qui répondent à la demande des industriels et de la grande distribution. Donc ça, on le reverra également sur le schéma numéro 3. On verra que c'est un système agricole qui est intégré, qui va fournir aux agriculteurs ce dont ils ont besoin et qui leur permet d'écouler également leur production vers la distribution et la transformation. Deuxième paragraphe, la modernisation a toutefois des revers importants. À partir des années 1980, les différentes filières agricoles ont connu des crises, en partie liées à la surproduction. Les modes de production, parfois mal maîtrisés, ont débouché sur des catastrophes sanitaires, entre parenthèses, dioxines, ESB. Alors ESB, c'est l'encéphalopathie spongiforme bovine, qu'on appelait également maladie de la vache folle, liée à la consommation de farine animale contaminée. En effet, dans ces années-là, on a donné à des animaux qui sont herbivores des farines d'origine animale. Donc ces vaches qui ont eu de graves atteintes neurologiques devenaient comme folles et la viande n'était pas consommable. Je termine. Ils sont aussi à l'origine de risques environnementaux importants, comme la pollution des nappes phréatiques et les cours d'eau. On appelle ça eutrophisation entre parenthèses. C'est lorsque il y a un développement exagéré d'algues, par exemple, dans les rivières ou ailleurs. Donc, je termine. Comme la pollution des nappes phréatiques et des cours d'eau, du fait de l'usage intensif des nitrates ou des épandages de lisier de porc, fientes de volaille et d'éjections bovines. On verra, ça, c'est le problème qu'on appelle les algues vertes, dont on parlera en fin de séance. Donc, je lis la première question qui va avec l'identification de ce modèle. Dans quel type d'agriculture s'est spécialisée cette région? Donnez son nom. Alors, on l'a vu, cette région s'est spécialisée dans une agriculture, on pourrait dire, intensive, et plus précisément dans un élevage intensif. Donc, vous pouvez noter, dans un élevage intensif. Et là, le vocabulaire pourrait nous aider à comprendre de quoi il s'agit. Donc, vocabulaire, on nous parle d'agriculture intensive, deux points. Agriculture avec de forts rendements dans le rapport production-surface. Elle utilise le plus souvent la mécanisation et les intrants chimiques. Donc voilà, le rendement, c'est le rapport entre ce que vous mettez dans un travail et ce qu'il vous donne. Et si vous voulez avoir un fort rendement, eh bien vous allez utiliser des techniques contemporaines, notamment avec des engrais, de la mécanisation, etc. Donc on va noter la définition. Donc dans un élevage intensif, entre parenthèses, fort rendement sur de petites surfaces. Fort rendement sur de petites surfaces avec mécanisation et intrants. Avec mécanisation et intrants. Les intrants étant donc les engrais, etc. On parle de modèle agricole breton. On parle de modèle agricole breton. C'est donc ce modèle qui va nous intéresser. On va voir quelles sont ses caractéristiques, mais aussi quels sont ses inconvénients. On continue avec la question, quelles sont les spécialisations de cette agriculture? Alors, on l'a un petit peu vu dans le document 1, mais on peut compléter avec le document 2 qui nous donne les lieux en Bretagne où on va trouver différents types de spécialisations, différentes filières. Alors vous voyez, donc document 2, une agriculture spécialisée liée aux industries agroalimentaires. En légende, espace de production, vous avez des zones d'élevage laitier, notamment Finistère Nord, Côte d'Armor et les Vilaines. Vous avez également des zones, alors là c'est assez étendu, plutôt spécialisées dans l'élevage de poulets. Je pense notamment au groupe industriel agroalimentaire Doubs, qui alimente tout ce qui est poulet congelé qu'on trouve dans les bacs de congélateurs, hein, dans les grandes surfaces. Vous avez également les zones de production d'élevage de porc, là aussi dans le Finistère autour de Brest, mais également autour de Saint-Brieuc.
Et puis par ailleurs, ben, vous avez des cultures de céréales, de fourrages, d'herbages et de légumes. Alors, quelles sont donc les spécialisations de cette agriculture? On peut noter, on y trouve différents bassins de production agricole. Différents bassins, c'est-à-dire zones de production, hein, bassins de production agricole, spécialisés dans l'élevage bovin laitier. Bovin, c'est-à-dire les vaches. Bovin laitier, c'est-à-dire pour faire du lait. Vous savez qu'il existe aussi la filière bovine pour la viande. À la Réunion Plaine des Cafres, on a une petite filière bovine laitière qui produit du lait, mais on a aussi dans les Hauts des vaches qui sont plutôt destinées à produire de la viande. Donc l'élevage bovin laitier, on a également dans l'élevage porcin, c'est-à-dire les porcs, c'est la plus grande région de production de porcs en France, pour la viande évidemment, ou dans l'élevage avicole. Ou dans l'élevage avicole, c'est surtout la volaille, volaille et les poulets. Avic, c'est la racine avi qui a donné avion, c'est-à-dire oiseau hein, au départ. On va continuer avec une petite question de géographie générale auquel vous pourriez peut-être répondre à partir de vos connaissances. Lorsqu'on avait vu les caractéristiques du climat français, vous avez vu que la façade ouest atlantique est caractérisée par un certain climat. Et là, la question est quel facteur naturel, probablement climatique ici, explique que la Bretagne soit une région d'élevage? Vous le devinez, évidemment, la Bretagne bénéficie d'un climat humide. D'un climat humide, il y a des précipitations régulières toute l'année, favorables au pâturage, c'est-à-dire aux prairies, aux prés, là où on va pouvoir faire du foin, là où on va pouvoir amener les vaches paître, favorable aux prairies et à, donc à l'élevage. Alors on continue maintenant avec la description de l'organisation économique de ce système agricole. Documents 1 et 3, comment l'agriculture bretonne s'intègre dans l'économie. Alors il faut regarder d'un peu plus près le document 3 dont je vous parlais à l'instant et qui traite de l'agrobusiness. Alors, vous avez un document avec trois étages. En haut, vous avez ce qu'on appelle en amont. Ensuite, au centre, vous avez l'agriculture. Et puis, vous avez ce qui est en aval. La notion de amont et aval, c'est une expression qui est utilisée notamment en montagne. En amont, c'est ce qui est dirigé vers la montagne. Et en aval, c'est ce qui est dirigé vers la vallée, plus bas. Donc, en amont, c'est ce qui est avant. En aval, c'est ce qui est après, dans un cheminement logique. Alors, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, l'agriculteur qui est au centre ici, avec son exploitation agricole, il a besoin d'un système qui va lui fournir les moyens de produire suivant ce modèle. Alors, vous voyez, ça peut être les machines agricoles, les engrais, les semences, les carburants, les banques, le Crédit Agricole notamment, qui va fournir des prêts, de la nourriture, c'est-à-dire de l'aliment pour animaux, on pense aux rabatos ici à La Réunion, mais également de la formation avec les universités. Donc ça, c'est en amont. Ensuite, en aval, on a l'écoulement, voire la transformation des produits agricoles. Vous voyez que dans la partie aval, vous avez les industries agroalimentaires. Alors ces industries agroalimentaires, on a justement une note sur le vocabulaire sur la planche. Vocabulaire planche, industrie agroalimentaire, industrie de transformation de produits issus de l'agriculture. Vous avez un bel exemple à La Réunion, puisque une usine sucrière est une industrie agroalimentaire. Elle va transformer un produit primaire agricole, la canne, en sucre ou en rhum éventuellement. Donc, revenons sur la description de cet organigramme. Vous avez le stockage, oui, l'entrepôt, il faut pouvoir entreposer les produits, les transporter, les exporter, les transformer, évidemment, dans les industries, pour alimenter ensuite la grande distribution, les supermarchés ou la restauration. Voilà donc ce qu'on appelle la filière de l'agrobusiness en France. On peut donc noter sur votre fiche de travail, l'agriculture bretonne est intégrée au système de l'agro-business, document 3, est intégré au système de l'agro-business, c'est-à-dire le monde des affaires, hein, les affaires économiques qui tournent autour de l'agriculture. Description,
en amont, elle est reliée au fournisseur. Elle est reliée au fournisseur, entre parenthèses, matériel, engrais, aliments. Matériel, engrais, aliments. En aval, elle fournit l'industrie agroalimentaire. En aval, elle fournit l'industrie agroalimentaire, que vous pouvez noter en rouge, c'est une définition à connaître. Référez-vous dans ce cas-là au vocabulaire de la planche qu'on vient de lire. Elle fournit l'industrie agroalimentaire, les services de transport et de distribution. On va aborder maintenant le dernier aspect de ce modèle agricole breton avec la question des enjeux de l'agriculture en Bretagne. Document 1, je reviens sur ce texte qui est vraiment très riche et très complet, mais également le document 5, c'est une photographie où on voit un tracteur sur une plage. La question, c'est quels sont les aspects négatifs de ce type d'agriculture ? Alors c'est une agriculture qui produit beaucoup, qui a de forts rendements, qui est donc capable de produire de grandes quantités de produits agricoles sur des petites surfaces, et c'est ce qui caractérise le système intensif, à la différence du système extensif qui lui va produire de petites quantités sur de grandes surfaces. Le système extensif correspond d'ailleurs à une économie agricole plutôt traditionnelle et ancienne, tandis que la modernité cherche à augmenter la productivité et donc à développer un modèle intensif. Comme disait le document 1, cette modernisation a pu créer un problème de surproduction. Donc on peut le noter, a pu créer une surproduction au détriment de la qualité. A pu créer une surproduction au détriment de la qualité. C'est le caractère du modèle intensif qui va chercher à produire de grandes quantités, mais dont la qualité du produit est moindre. Et souvent, le problème, c'est que ce sont des produits agricoles qui ne sont pas sains, avec des produits d'élevage remplis d'antibiotiques ou alors engraissés à la va-vite. Ça peut être des légumes qui sont pollués avec des pesticides et des fongicides, etc., qui protègent la plante d'envahisseurs et qui permettent de meilleures productions, etc. On peut donc continuer en indiquant que la production intensive, mal maîtrisée, a provoqué, nous le dit le texte, la production intensive mal maîtrisée a provoqué des crises sanitaires. Des crises sanitaires. Donc ça peut être la crise de la vache folle dont on parlait tout à l'heure. Alors je vous invite à regarder les liens vidéo que je vous ai mis sur le cahier de texte. Vous avez trois liens vidéo et ce sont des vidéos qui nous parlent du phénomène des algues vertes. En effet, le document 5, on voit un tracteur, c'est une photographie intitulée « La pollution par les algues vertes ». En Bretagne, la prolifération d'algues vertes est due aux engrais chimiques et organiques du secteur agricole. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Les vidéos vous ont permis peut-être de comprendre le phénomène. On est dans le cadre d'une agriculture intensive. Donc, les agriculteurs qui font de l'élevage, par exemple, on se retrouve avec beaucoup de lisiers, c'est-à-dire de déjections animales, suite à l'élevage de milliers de porcs ou de poulets. Ces déjections animales vont être étendues sur les prairies ou dans les cultures, et ces déjections animales, qui sont très chargées en azote et en nitrate, vont pénétrer dans les sols, atteindre les nappes phréatiques, les nappes d'eau souterraines, et cette eau souterraine, ensuite, va lentement se diriger vers la mer et ressortir au niveau des plages pour aller vers la mer. Donc qu'est-ce qui arrive en mer ? Eh bien, c'est une eau chargée d'engrais finalement, de nitrates, de phosphates, qui vont doper la croissance des algues en mer. Et donc quand il fait chaud, ces algues se multiplient à outrance et recouvrent les plages entières, notamment les zones vers Saint-Brieuc dans le nord de la Bretagne. Ces nitrates d'ailleurs ne viennent pas seulement des déjections animales liées aux élevages, ça peut être aussi des nitrates liés aux engrais mis dans les cultures, cultures de légumes, etc. On peut donc noter sur votre fiche, l'épandage des lisiers pollue les sols,
L'épandage des lisiers pollue les sols. Les nappes phréatiques, phréatique ça s'écrit avec P-H-R-E. Les nappes phréatiques, c'est-à-dire les nappes d'eau souterraines. Hein. Donc l'épandage des lisiers pollue les sols, virgule, les nappes phréatiques, virgule, les nappes phréatiques et provoquent une prolifération d'algues sur les plages. Et provoquent une prolifération d'algues sur les plages. Donc vous verrez les liens vidéo que je vous ai mis. Vous avez une vidéo de... Vous avez une vidéo assez intéressante qui nous parle d'une bande dessinée sur le scandale des algues vertes dont la journaliste Inès Leroux est en partie l'auteur. Elle témoigne justement de son travail d'investigation à ce sujet. Vous verrez là, notamment dans ces vidéos, que les intérêts de l'agro-business ont été plus ou moins protégés par l'État hein, et par l'administration, et qu'il y a manifestement de gros enjeux financiers là, derrière. Ce système agro-business a tout intérêt à ce que rien ne change, de façon à ce que les agriculteurs continuent à être finalement captifs de ce système à la fois de prêts, de fournitures en amont de matériel, et également répondre à la demande des industries agroalimentaires qui produisent de la nourriture industrielle. Dernière question, documents 4 et 6. Quels intérêts s'affrontent sur le littoral breton? Quelles solutions sont proposées? Alors, le document 4 est une carte, là encore, de la Bretagne. Et cette carte s'intitule « Des enjeux environnementaux ». Alors, vous remarquez des carrés qui indiquent un environnement dégradé, surface couverte par les algues vertes en hectares sur le littoral, mais également des zones de tourisme littoral. Et là, vous devinez que les deux ne vont pas faire bon ménage. En effet, en été, s'il y a des algues, et d'autant que ces algues, vous l'avez vu dans les vidéos, apparaissent mortelles, on ne le savait pas dans les années 90, ou en tout cas l'affaire avait été cachée. Il y a eu des morts, il y a un gaz toxique qui se dégage de la décomposition de ces algues, évidemment. Dans ce cas-là, le tourisme, qui représente un enjeu économique important pour la région, ne peut pas continuer avec des plages polluées ainsi. Donc, je vous propose de mettre en trace écrite. Il y a ce qu'on appelle un conflit d'usage. C'est le terme qu'on va utiliser en ces cas-là. Vous avez des agriculteurs qui font l'usage de la nature et des espaces de campagne pour leur élevage. Et puis, vous avez le tourisme qui fait usage du littoral. Et là, sur cet espace-là, il y a un conflit d'usage. Il y a donc un conflit d'usage entre les intérêts touristiques et agricoles. Le document 6 nous parle cette fois-ci d'un plan algues vertes qui a été présenté en 2010. On va lire le document 6. Qu'est-ce que le plan algues vertes présenté en février 2010 d'après le site du ministère du Développement Durable? Le plan algues vertes concerne 8 baies situées en Loire-Bretagne. Il vise à réduire les flux des nitrates vers les côtes d'ici 2015. Amélioration du traitement des eaux usées, modification des pratiques agricoles, contrôle et réduction des quantités d'azote épandues, conversion des zones agricoles en zones naturelles afin de mieux filtrer l'azote, et à améliorer la gestion des algues vertes dès 2010. Amélioration du ramassage, développement des capacités de traitement. Le plan est doté de 134 millions sur la période 2010-2014. En effet, le tracteur qui ramasse les algues, là, on débarrasse la plage de ces algues toxiques, mais elles peuvent être également mélangées à du compost pour pouvoir faire un engrais. On peut noter un plan algues vertes de 2010 doit offrir une solution de développement durable. Un plan algues vertes de 2010 doit offrir une solution de développement durable. Alors qu'en est-il de ce plan? Le plan algues vertes, le bilan n'est pas bon, puisque finalement on s'est rendu compte que l'argent qui devait aller à cet objectif a plutôt été utilisé à d'autres fins, voire même dans certains cas à l'extension de certains élevages. Donc ce plan algues vertes n'a pas apporté les réponses attendues à ce problème. Le lien vidéo que je vous ai mis également atteste de cette situation.
Voilà pour ce modèle agricole breton qui, d'ailleurs, pour certains n'est plus un modèle puisque certains agriculteurs bretons s'orientent vers des modes de culture plus respectueux de l'environnement. On le voit dans la vidéo, certains se tournent vers l'agriculture biologique, garant d'une moindre pollution et d'un des respects de l'environnement. Donc, on continuera la prochaine fois sur la situation de l'agriculture en France. Merci et à bientôt.